Jusqu'à dimanche, en principe, tout bon chrétien doit résister au chocolat, ce qui n'empêche pas d'aller observer jusqu'aux antipodes la fabrication des fameux œufs de Pâques. Ils n'ont que 4 ans et sont sur le point de découvrir le mystère de Pâques. Depuis une semaine, maîtresse Alexandra leur parle de ce monsieur qui aime tant le chocolat qu'il fabrique toutes sortes d'œufs de Pâques. Du moulage au démoulage, aucune étape de la fabrication ne sera oubliée, à charge pour l'institutrice de vérifier que la leçon est retenue. Étape critique de la fabrication, le collage. Et on le colle. Mais aujourd'hui, les mains expertes sont quelque peu fébriles. On a l'impression que vous passez un examen. Ben, un examen à la rigueur, je serais beaucoup plus relax. Les enfants, c'est pire qu'un examen. La recette n'en reste pas moins bonne, comme en témoigne le jeune jury. Alors, c'est bon? Les 28 bambins savent désormais qu'il n'y a pas que les poules qui pondent des œufs, et sûrement pas ceux de dimanche. Avec quoi on fait les œufs de Pâques? Avec du chocolat.